SFM Bâche vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 0707 47 37. SFM Bâche, votre événement, notre engagement. Bonjour la famille, comment vous allez? Bienvenue sur la chaîne Héritor de Serge TV, c'est votre humble serviteur. On dit quoi, famille? Voilà, beaucoup se demandent pourquoi. J'ai repris cet ancien local là, c'est ici, j'ai commencé quand j'avais 10 abonnés, peu après 15, 20, 50, 100, jusqu'à mes 2500, mes 3000, mes 4000, mes 5, 6000, je faisais encore des vidéos ici, voilà, donc souffrez que je soit nostalgique en voulant en venant faire cette vidéo là ici. Voilà, je suis très heureux. C'est 22 000 abonnés que vous m'avez donné. C'est grâce à vous et c'est grâce à Dieu aussi. Continuez de liker mes vidéos, de commenter. J'aime bien, vous voyez que j'aime bien causer avec vous. Donc commentez, j'aime bien ça. Vos commentaires, vos réactions, vos opinions m'aident à m'améliorer dans mes jugements et dans mes analyses. Voilà, aujourd'hui comme je disais, je vous ai apprêté cette vidéo là, c'est concernant l'affaire Tiesco le Sultan Pancho. Apparemment, Tiesco le Sultan, on le dira comme en Côte d'Ivoire, si on aime bien le dire, ah, vraiment chaud. Voilà. Comme le disait le gouverneur, mon collègue, le gouverneur depuis l'Allemagne, Ivoirien aime bien attacher. Ivoirien aime bien taquiner. Mais Ivoirien ne lance pas coup de poing. Si Ivoirien lance coup de poing, c'est que franchement, c'est cas de force majeure. Sinon, ça s'arrête là. Le même gouverneur encore a dit, pendant combien d'années, Didier Arafat était de Bordeaux, on fait les clash, insulter maman, insulter papa, insulter famille, insulter enfant. Jamais ils ont lancé coup de poing. Mais comme toi, tiens ce que le sultan, tu es trop wesh d'après Pointure le gâteau, tu es trop gamé, c'est toi, Jean, tu veux déplacer ton esprit de lion là. Pour venir en Côte d'Ivoire ici, tu te vois coller une convocation. Moi, c'est déplorable de ma part. Hein? Voilà, je me dis que c'est des choses peut-être que, comme tu as gros que tu n'as pas voulu t'excuser, on s'excuse et on avance. Mais les témoins qui étaient là disent que c'est toi qui es tombé sur Pointure le gâteau. Voilà, les témoins qui étaient là m'ont dit personnellement que c'est toi qui es tombé sur Pointure le gâteau. Parce que Pointure le gâteau, je le connais. Il n'a pas ce cœur là de venir sur toi, tiens ce que les étangs, pour te faire des histoires. Comme le devait faire une petite vidéo d'attachement que tu n'as pas aimé, tu viens tranquillement, tu le prends de côté puis tu lui expliques. Mais tu as vu, l'affaire est en train de dégénérer et il y a des personnes autour de Pointure le gâteau qui t'en veulent, qui te recherchent maintenant. Ils veulent faire ta sauce comme on dit. Abidjan ici, on dit gros que moi pas du riche hein, tiens qu'on le sultan. On me dit je prends parti. Je ne comprends pas les gens, tellement que vous n'aimez pas ma personne, vous voyez toujours le mal dans ce que j'ai dit. Quand j'ai commencé ma vidéo d'hier, là, voilà ce que j'ai dit. J'ai blâmé les deux. Et puis, j'ai blâmé les deux à la fin. Voilà. Mais je me suis accentué sur ce que le sultan. Parce que je me dis, c'est le grand frère. Il ne devait pas. Il devait se montrer plus sage. Voilà. Moi, j'ai aimé sa vidéo qu'elle a répondu à un truc. Pointure le gâteau, comme quoi, c'est le grand frère qui est le petit frère. Ok. Ça s'arrêtait là. Mais les gens, en venir aux mains, c'est décevant. Voilà. Et puis, Pointure le gâteau, il ne va plus te respecter, comme je l'ai dit hier. Il ne va plus jamais te respecter. Donc, tu vois, il y a même le vidéoman là. Je ne sais pas si c'est comment il s'appelle, Thierry le champion, qui te recherche. Il te recherche. Il a eu la même histoire, Pointure le gâteau. Pointure le gâteau même a cassé même le devant de sa voiture. Lui, il a tué le discours. Le petit t'a pas insulté dans sa vidéo, on dit t'as provoqué. Arrêtez un peu, les amis. Pourquoi vous avez la violence comme ça même? Qu'est-ce qu'il a dit de si mal pour qu'il puisse se faire bastonner, mais pour que ça soit agréablement de compte? Il faut arrêter un peu. Vous encouragez trop la violence, les familles. Pointure le gâteau a dit quoi de mal dans sa vidéo? Tout ça, quand il est comique ici, il a réduit de mal. Moi, je ne le défends pas. On dirait qu'il a provoqué, d'accord, mais ça ne mérite pas une bastonnade ou bien un règlement de compte. Ça ne mérite pas ça. Et à Thierry Zou, il a parlé combien de vidéos interposées, combien de là. Thierry Zou s'est fâché, mais il a compris que ça là, ça limitait aux vidéos. Il a calmé le petit, ils se sont réconciliés. Maintenant, Thierry Zou, le champion, a chargé le discours maintenant. Voilà, avant de continuer mon truc, il ne faut pas que j'oublie. Je dois faire des big up à des personnes qui me soutiennent véritablement.
Il y a mon petit Kagoulé qui fait son retour en force avec une très belle vidéo. J'ai adoré, petit, j'ai adoré. Ça, c'est du bon travail. Voilà. Les gens disent qu'on va parler seulement de Bordeaux, mais au moins, tu as montré que il y a trop de choses. Tu as trop de talent, en fait. Voilà. Moi, mais je viens, il a commencé à chanter un peu. On dit il n'y a pas une belle voix, mais il va vous montrer quelque chose très bientôt. Donc, vous voyez un peu. Big up à mon petit Kagoulé Junior. J'ai pas parlé du Kagoulé que vous connaissez. Hein. C'est un petit qui aime bien. Mon petit Kagoulé qui aime bien aussi mes vidéos. Donc, c'est son big up. Big up à Mousse depuis. À Mousse depuis quelque chose. À Bengourou. À Bruce Boni depuis l'Italie. À Madjet, mon ministre, depuis l'Allemagne. Voilà, à qui encore? Faut pas que j'oublie pour que les gens vont se fâcher avec moi. À Chrissy, depuis l'Angleterre. À qui encore? À qui encore? À qui encore? Bref. Si, il me rappelle de vous, je vous fais votre big up. On continue la vidéo. Donc, tu vois, tu es sollicitant. Tu t'es tiré des ennuis pour rien. Et te connaissant, tu vas pas faire une vidéo de sagesse pour calmer les ardeurs. Tu vas vouloir venir te jouer les dangereux. Tu vas vouloir venir te jouer les gros cœurs. Et puis, ça s'empirait encore. Sérieusement, il n'y a pas de chose. Voilà ce qu'il t'a dit. Il dit, ça va continuer jusqu'en Bengue là-bas. Jusqu'à dans ton lion où tu connais, tu penses que tu maîtrises. Ça se continue là-bas. Ça, c'est pour que l'affaire aille loin. Oh, c'est parce que nous, on veut. Vous êtes échauffouré, le petit a pris une convocation. Convocation, là, il peut tuer ça. Tu fais une vidéo, tu t'excuses, ça roule. On va juste te faire comprendre ton point, tu vois ici, là. Hein? Il y a des gens, ils ont insulté les mamans. Et puis, ça s'est arrêté là. Voilà. Ça n'a pas fait des choses, oh, des lâches. Ça n'a pas tenu les carrières. Ça n'a pas arrêté les carrières. Ils respirent toujours. S'ils recevaient 5 millions par mois, là, ils ressentent ça toujours. Ça n'a rien enlevé sur eux. Donc, ça sert à rien de vouloir se montrer les thugs, les bad boys. Ça sert à rien, ça paye pas. Il y a un nuit seulement dedans. Et puis, les ennuis ont commencé. Voilà. Donc, Thierry, moi, je n'ai pas l'habitude de m'intéresser à toi, hein, mais il faut te calmer, il faut taper l'œil. Hein? Faut taper l'œil. Il sait qu'il va se ressaisir. Maintenant, si là, maintenant, il fait une vidéo pour se montrer qu'il est trop thug, tu as le libre choix, hein, tu fais ce que tu veux. Voilà. Parce que moi, je ne veux pas avoir le sang, je ne veux pas avoir les coups de poing. Dans mon showbiz ivoirien. Voilà. C'est pourquoi je suis fier de mon artiste de Bordeaux et de Didier Arafat. Ils ont fait les yaya jusqu'à jamais c'est arrivé. Donc, chapeau à vous, famille. Voilà. Donc, c'était ma vidéo du jour. Sachez que Thierry Zo est à la recherche des tests que le Sudan. Et Thierry Zo, quand il veut qu'il laisse quelque chose, il ne laisse pas. Voilà. Je ne suis pas en train de faire la publicité, mais je suis en train de dire qu'il est en train de te chercher. Parce que là, il a fait une vidéo même à la pub pour te dire ça. Et puis, franchement, si tu le vois, il faut te cacher. Voilà, il n'y a pas de dans les détails parce que je le connais personnellement. Ciao, ciao les amis. Big up à tout le monde. Merci de partager mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.